Bonjour. Oh YouTube, c'est parti, je vais avoir peur. C'est pas grave. Étroite. Virulents organismes volants capables d'absorber l'énergie de leur proie au contact. Créés à l'origine par les Chozo, les Métroides tirent leur nom d'un terme Chozo signifiant guerrier ultime. Leur valeur en tant qu'arme biologique ayant provoqué de nombreuses crises, ils ont fait l'objet d'une élimination systématique. L'espèce est aujourd'hui éteinte. C'est pour ça que le nom du jeu c'est Métroide. Ah, c'est parti. C'est la vidéo. Ah non, même pas. Parasite X. Organisme parasite et gélatineux. Jadis endémique de la planète SR388. Capable d'absorber l'ADN de leurs hôtes, morts ou vivants. Vous pouvez ensuite répliquer leur forme. L'infection d'un hôte vivant leur permettait même d'accéder à sa mémoire. Dépourvu d'émotions, mais mu par un puissant instinct de préservation et de renforcement de l'espèce, les parasites X se sont propagés à des hôtes de plus en plus forts. Leur capacité à déjouer toute forme de contrôle les a rendus plus dangereux encore que leurs uniques prédateurs, les Métroides. Tout comme ces derniers, on suppose leur espèce éteinte. Les Métroides ayant disparu de SR388, la planète se retrouva infestée de X, d'horribles parasites capables de prendre la forme de n'importe quel être vivant. Ignorant ceci, je me suis aventuré sur la planète. J'y ai été infecté et j'ai frôlé l'amour. Bon ben on sait déjà que c'est une feu meuf, hein, Samus, de toute façon c'est connu depuis le 1. La seule chose qui m'a sauvé fut un vaccin créé à partir d'ADN de Métroides qui fit également de moi la seule capable d'affronter les X. J'ai pu mettre cette capacité à l'épreuve immédiatement quand je me suis rendu dans une station de recherche des laboratoires spatiaux, Biometrix, BSL, pour enquêter sur un signal de détresse. Oh, c'est moi deux! C'est le méchant moi! Celui qui me faisait peur sur Game Boy Advance. Du coup, je l'ai jamais fini. Là, j'ai affronté de nombreuses formes de X particulièrement redoutables, dont le Sax. Copie de moi-même dans ma combinaison de puissance au maximum de ses capacités. Finalement, j'ai éliminé la menace X sur SR388 en déviant la trajectoire de recherche de la station de recherche BSL pour qu'elle entre en collision avec la planète. Après ça, les X et les Métroides n'étaient plus que des souvenirs. Du moins, c'est ce que nous croyons. Alors que tout semblait terminé, la Fédération Galactique reçut une mystérieuse transmission vidéo. Vidéo Kojima. Ah, métamorphe, c'est les Pokémon. On pouvait y voir un X vivant à l'état sauvage. Des analyses poussées ont prouvé que la vidéo était authentique. L'expéditeur était inconnu, mais il a pu déterminer que la transmission provenait d'une certaine planète. Elle avait pour nom ZDR. Si les X avaient réussi à échapper à l'extinction là-bas, ils constitueraient une menace pour toute la galaxie. La Fédération Galactique envoyait une équipe de recherche de 7 EMMI. Pour mener l'enquête. C'est quoi des mémémimi? Je
Putain, ils auraient pas pu mettre des voix, ces bâtards. Au prix où tu payes le jeu en plus. Les MMMIMI sont des robots de grande taille conçus pour l'exploration, la capture de spécimens sur zone et l'extraction d'ADN. Leur extraordinaire mobilité et leur blindage produit à partir de matériaux les plus solides de l'univers devait garantir le succès de la mission. Devait, oui, mais parce que ça n'a pas marché, on m'a envoyé moi. Tout à fait. Mais peu après leur arrivée sur ZDR, toute communication avec eux fut perdue. Bien entendu. Que se passe-t-il sur ZDR? Merci à la moto. Que se passe-t-il sur ZDR? La planète est-elle vraiment infestée de X? Comme je suis la seule à être immunisée contre ces parasites, c'est à moi de m'y rendre, bah comme de par hasard. C'est moi qui me tape le sale boulot. Bon, c'est quand je joue là? Parce que ça fait quand même 6 minutes. On se fait chier, déjà. Alors j'ai mis le jeu en la capture en 60 FPS en espérant que le jeu fasse en 60 FPS. LOL, il devrait l'indiquer sur une boîte en fait. Ce serait plus Patrick. J'ai léché la cartouche pour voir s'il y avait du produit. Oui, il y a du produit. Ah, ça vibre! J'avais oublié ça avec la Switch. Nous allons bientôt pénétrer dans l'atmosphère de ZDR. La récompense pour cette mission ne semble pas être appropriée. Le risque est clairement plus grand que la rétribution. Avec nos spécimens perdus, jeune dame. Entrez dans l'atmosphère dans témoin 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bonne année! Cet ascenseur mène dans les entrailles d'une vague souterraine. Le signal y sera sur une faible qualité et la communication difficile. Essaie de te connecter au réseau de la structure que tu auras dans le fond pour que tu sois en contact. Les objections, jeune dame. Y.
Ah, mais elle était pas comme ça, ma... elle était pas comme ça, ma combi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ça y est, je crois que ça joue, ça y est, oui. Non. Oui, ça y est. Piou, 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 piou. Ah, je peux pas charger encore. Ah, je peux mettre des patates. C'est quoi ça? Ok. Ah non! J'ai gaspillé un missile. Ah, c'est excellent. C'est excellent, c'est pour pas bouger. C'est trop bien. Oui, je suis d'accord. Mais j'ai le double saut déjà, c'est incroyable. Oh, est-ce que ça me compte la map à 100% là? Ça me fait chier. Je peux pas mettre en boule. Mais cours pas, abruti! Passage secret? Non, pas du tout. Là, je peux aller si je fais haut? Non. Ah, ça va trop vite! Elle court vite! Ça commence les ambiances. Mais mets-toi debout, salope. Ah oui, c'est vrai, il faut que je clignote comme un abruti. Ah. C'est quoi? Tout en inclinant L pour courir, appuyer sur ZL pour effet. C'est quoi ZL? Non. 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 Ah, c'est ça. Elle pour viser, oui, ça je le sais. Piou, 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 piou. Ouais, le... J'ai pas le souvenir que c'était ce fût aussi rapide, hein, mais 3D. D'accord. C'est quoi? J'ai entendu un cri. Ah, bah oui, il y avait un truc. Connard! Je vise quand même un pied, c'est incroyable. C'est qui? Ah, merci. Ah, 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 c'est là. Putain, j'ai tellement l'habitude de jouer à la Switch. Ah, mais je croyais que j'avais le double saut, mais pas du tout. R, c'est ça. Y, oui, c'est ça. Certains blocs destructibles sont cachés si vous êtes dans une impasse. Tiens autour de vous, frapper certains blocs avec des missiles peut révéler comment les détruire. C'est quoi ça? Je peux rien faire. Paf, 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 paf. Hop! Ah bah super. Tout ça pour ça. Ok, Francis. Ça va trop vite. C'est trop rapide. Je suis vieux. Hein. Cette planète.
semble être divisée en plusieurs zones. Des navettes, des ascenseurs et d'autres modes de transport les relient entre elles. Reste à l'affût de moyens de regagner la surface. L'emplacement de ton vaisseau est indiqué sur ta carte globale. Regarde par toi-même. Merci. Tu pourrais te retrouver dans des poches de basse température. Ton ADN métroïde te rend vulnérable à de tels environnements. Passer trop de temps dans des zones froides te sera nocif. D'accord. Le sous-sol est jalonné de nombreuses zones froides. N'y entre pas avec ta combinaison de puissance de base. Une dernière chose, des interférences souterraines empêchent les transmissions radio. Contacte-moi à l'aide des stations de réseau que tu trouveras en chemin. Ok. Oui. J'accepte. Plus. Oui, d'accord. Ah ! Pouah, une vibration. Alors, je vais pas passer par là. Passer par là plutôt. Ah oui, je suis coincé, j'avais pas vu. Si je fais ça et que je vise, est-ce qu'il lance la missile ? De toute façon, je les récupère, hop. C'est gratuit. Par contre, j'ai pas récupéré ma vie. Ça, c'est grave. Ah, je peux pas encore. Faut que je prenne l'habitude de m'arrêter de viser, là, comme ça. Parce que si je cours comme un débile... Oh, je l'ai touché. Incroyable. Non. C'est quand même chiant de devoir s'arrêter pour viser. Fils de pute, c'était sûr. Utilisez une frappe riposte au bon moment pour parer certaines attaques et viser automatiquement l'attaquant. Appuyez sur X maintenant pour riposter. Oui, c'est ça. Ah. Parer les attaques ennemies avec une frappe de riposte en appuyant sur X au bon moment. Oui. Sinon, accroche-toi, ce serait bien aussi, connard. Ah, je peux faire ça. Mais... Non ! Idiot. Ça, ils ont pas dit que je pouvais faire un wall jump. Mettre un ennemi après avoir été réduit par une riposte permet d'obtenir plus d'objets. Ok. Mais saute! Putain, c'est vrai, elle a pas de double saut, c'est moi qui fais l'abruti depuis tout à l'heure. Merde, raté. Ah, ça fait mal en plus! Plus de chien, va. Ça va le faire. Voilà. Oh là là, je suis une roi de l'esquive. Easy. Attends. Technique de gangster. Oh non. Ah, il veut pas. Sale pute. Elle veut pas. Technique de speedrun. C'est quoi? Putain. Et j'ai appuyé nulle part. Il est con ce jeu.
Si une zone de la carte clignote, cela indique qu'un objet y est caché. C'est facile. Pourquoi vous me dites ça? Là, c'est cramé, il y a un truc. C'est quoi? Ah oui, deux missiles en plus. Ah, attends. Ça, si j'ai une alerte, ça sent. Non! Je voulais pas aller là. Oh, c'est froid. Oh, je vais crever. C'est officiel. Oh non! Ah, ça me mémie. Ça me mémie. Tu vas crever avant? Crève, je t'en supplie. Ah non! Mais je suis mort. Attaque ma même mimi peut être contraint d'appuyer sur X au moment exact du flash. Toutefois, le timing est si serré qu'il est quasiment impossible d'y parvenir. Qui va me poursuivre jusqu'à la mort, ce fils de pute. Oh, le fils de bâtard. Tiens, j'ai lancé des missiles pour rien, je suis deg. Ah, mais c'est ces chiens de poubelle qui me poursuivent dans tout le jeu. Papillon de lumière. L'énergie d'une unité centrale a transformé votre canon en canon Oméga. Les charges Oméga opérationnelles, c'est quoi? Maintenez L pour passer en mode visée. Appuyez sur R pour accumuler de l'énergie. Une fois la charge terminée, appuyez sur Y tout en maintenant R pour viser le centre. LOL! Pété. Mais du coup, si je veux jouer normal, je fais comment? Parce que là, je suis en train de viser comme un caca humain. Oh, ça m'emmerde. Je sais, je vais pas péter le mur en face, si. Maintenant, pour passer en mode visé. Tiens, prends ça dans ta gueule. Je lirai au ralenti sur mon replay parce que j'ai pas eu le temps. Comment ça? C'est de la merde. Comment ça? Mais saute, grosse dinde. Nique-tame. Bon. Ah, ah d'accord. D'accord, j'étais là. Ok. Mais il y a un objet caché. Mais comment j'y... Je peux pas y retourner. Oh, va chier. Attends, je vais aller voir. Je m'en fous. J'ai vu un objet caché, il me le faut maintenant. Là. Ah, c'est dans la partie supérieure d'accord. Connard. Ah, ça va trop vite, elle va trop vite, c'est incroyable, j'y arrive pas, j'ai du mal. Bonjour, c'est quoi? Ah oui, je veux bien, merci.
Toujours, on ne sait jamais. C'est quoi cette salope? Je ne dis pas que c'est un truc qui me saute à la gueule. Putain, j'ai des pixels parfaits, tiens. De toute façon, je peux pas voir au-dessus. Ça, c'est vite réglé. Est-ce qu'elle glisse sous l'eau? Oh non. Ouais, j'ai fait l'idiot. Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Beaucoup de cinématiques, hein. Ça va pas. Que j'aurai le double jump. Non, ah non, non, dès le début, non. Ah, je vais me faire poursuivre jusqu'à la mort. J'en ai plein le cul. Ça y est, c'est parti. C'est parti pour les angoisses. C'est un ami vivant, entier en plus. Ah, ça y est, les embrouilles. Ne me faites pas jouer, je vous en supplie. Ça, connard! Non, ne dis pas qu'il arrive ici. Pute! Oh, quel chien de poubelle! J'ai peur! Non! La glissade! Ah mais du coup je peux plus passer. Oh la rage. Est-ce que ça va être le premier boss direct? On dirait une zone de boss. Hein. Pas du tout. Là, pourquoi ils m'ont pas laissé mon canon Omega? En plus je suis sûr j'ai loupé plein d'objets. C'est quoi ces conneries? Bien sûr comme par hasard quand j'arrive. Ouais ça se ferme. Ça se ferme quand j'arrive. Bâtard. C'est quoi hein? Ah, des missiles en plus. Ah, les angoisses directes. Voilà, ça fait chier. Mais toi, tu m'emmerdes pas. J'ai peur que tu me sautes à la gueule, alors je m'approche pas. C'est quoi? Canon Omega encore? Ah non. Les deux ennemis que tu as rencontrés tentaient clairement de te capturer. Il est possible qu'ils aient été piratés. Si tel est le cas, on peut raisonnablement en déduire que tous les ennemis seront hostiles. Merci Moré. Quelle déduction. Les ennemis émettent des pulsations pour détecter les vibrations de l'air dans un certain rayon. En d'autres termes, ils peuvent entendre. Quand un ennemi détecte des vibrations, il entre en mode de surveillance pour trouver leur source. Reste hors de sa ligne de mire lorsque cela se produit. Dans le cas contraire, tu t'exposes à un grave danger. Si un ennemi te repère, il te prend.
chasse, un élément du protocole de poursuite et de sceller les sorties de la zone émue, tu seras piégé à l'intérieur. Pour survivre, tu devras quitter son champ de détection. Si tu échappes à l'ennemi, il cessera la poursuite et les sorties seront décelées. Un ennemi ne quitte jamais la zone qui lui est assignée. Son système de contrôle ne lui permet d'être opérationnel que dans ce périmètre. En cas de capture par un ennemi, la probabilité de ta mort est de 99%. Si, c'est rassurant. Il existe une infime possibilité de fuite. Mais mettre à profit cet intervalle est virtuellement impossible. Les ennemis sont insensibles à tes armes actuelles. Tu ne disposes pas de l'énergie singulière qui t'a permis de vaincre le premier ennemi. La seule option qui s'offre à toi consiste à éviter de te faire capturer et à trouver une sortie. Dans les zones ennemies, ta priorité absolue doit être la survie. Oui, ça va être compliqué, hein. Sur TXBoys qui capte une envie, ce truc de. Qui fait du. Qui le TXBoys qui fait son taf quand il a envie, en fait, de réduction de bruit. Ça, c'est incroyable, ça aussi. En même temps, j'ai pas une RTX, j'ai zoomouté le truc quand ils avaient sorti le bordel. C'est un peu normal, j'ai envie de dire. Mais je peux pas. Oh. J'ai pas la morphoball, la morphoball. Oh non, ça sent la merde. Bien sûr, je vais glisser. Il va y avoir un trou de balle en bas. Quoi? Oh, j'ai gaspillé un missile, vas-y, recharge. J'ai peur de le tridio maintenant là. Tu es dans quelle zone? Ah non, parce que là. Ah oui. Là, si je descends, je vais les retrouver, cet abruti. Non, j'ai pas envie d'y aller. Hop, je peux pas descendre. Je peux rien faire pour l'instant. Bon, on va continuer. Hein. Ta mère, voilà! Lâche-moi les glaouis. Mais arrête! Non. Mais comment ça? Comment il fait pour m'entendre? Oh, j'en ai plein le cul. Non, je vais crever. Oh, je suis mort. Bonjour. Petit poisson, dis-moi ton nom. Oh, j'en ai marre. Bon, déjà sur. Si elle... Ah, mais la zone de flotte que j'ai mis, c'est bien s'il y a le bâtard qui me suit là. Culé. J'ai pas la morph ball, je peux pas. Hop là. J'en ai marre, il y en a plein des bêtes comme ça. Je vais revendre le jeu. Ils me font stresser. Oui, sauvegarde. Ça fait à peine 5 minutes que j'ai sauvegardé, mais... Vas-y, fais-le. Si ça peut t'amuser. Comment il a fait pour m'entendre d'aussi loin? C'est bon, je suis allé tranquille. En plus, je peux même pas marcher. Quoi? Ah non, j'ai cru que c'était un abruti.
Vas-y, fais pas le con. Connard! Ah, salope! Vas-y. Nardinamouk. Ah, c'est fait exprès. En vrai, si je reste dans l'eau, il m'arrivera rien. Le trou de balle, là, le robot, il peut pas venir. Ce qui m'arrange. Ce qui fait peur. Là, si je casse. Ah, je nage pas en plus. C'est de la merde. Je vais remplir la salle. Là, je rends la salle. D'énergie, je vais pas le tuer. Voulez-vous sauvegarder? Oui, encore une fois. Oui, toujours. Qu'est-ce qu'il veut me raconter? La morph? La morph ball? J'ai gagné la morph ball? Toujours pas. Ah, super. Carte de la zone téléchargée. Oui, je sauvegarde toujours. Parce qu'on sait jamais. Sur la carte, les salles colorées en jaune sont les stations de sauvegarde et celles au violet, les infrastructures de transport. D'accord. Ah, désolé, ça fatigue, je rends du travail. Pas facile, baby. On peut pas être on peut pas être travailleur et streamer. Pas possible. Vas-y. Il m'attaque lui. Vas-y, viens. Comme ça, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, frère. Je sais pas où tu vas, toi, mais... oui. Est-ce que je descends tout? Est-ce que... Mais c'est une zone qu'on a déjà fait, ça. C'est quoi, lui? Du zig, des conneries. Oh non, il y a un bâtard! Allez, nique ta mère, Samus. Nique ta mère, toi aussi. Dis, je veux dire crever. Dieu. C'est terrible. Sauve-moi. Oh, ça m'a pas sauvé. Ah, oh, je suis deg. Bon, ben voilà, ça va être la première mort du jeu. J'arrive à lui sauter par dessus. Hop là. Fous-moi la paix, bâtard. Oh, top. Tout ça pour 2 missiles. Merci. Vas-y, je vais sauvegarder Nick.
Merci YouTube, on se voit la prochaine fois.